Hello, hello! Ça y est, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du tutoriel House of Roses, la partie numéro 3, qui correspond aux décorations de la page 1 et 2 de l'album. Donc, vous commencez à voir ici. Je vais utiliser, surtout pour la page 2, pas pour la page 1, ces deux dies, Share Fail Creation. Le Regal Borders and Pockets et le Ornate Borders and Pockets. Donc, vous les trouverez évidemment dans ma boutique. Je vais utiliser un petit peu de strass, mais très peu. Et puis, donc, nous allons réaliser cette horloge. Je vais utiliser également des aiguilles pour faire plus vrai. À l'arrière, donc, une très grande pochette où vous pouvez glisser les fonds de photo que vous souhaitez. Ça peut être du vert, du rose, du blanc, comme vous voulez. De ce côté, donc, ici, ça se ferme et s'ouvre pareillement. Donc, nous allons avoir un rabat ici sur le haut, sur lequel, ici, nous pourrons poser une photo. Ici, non, je ne pense pas parce que je ne veux pas gâcher cette très jolie rose. Sur le bas, une pochette avec cette jolie image ici. Donc, pareil, on peut glisser du blanc ou les couleurs que vous voulez. Pas de souci. Sur l'intérieur, donc, ici, c'est vierge. On pourra y coller une photo. Et quand on ouvre... Également, si on veut cacher les jolies roses, de ce côté, une photo aussi. Sur l'intérieur également. Et puis ici, une cascade derrière laquelle nous pourrons y mettre trois petites photos. Et également une ici sur le bord. Donc, eh bien, si vous êtes prête, on y va. À vos outils. C'est parti! Avant de démarrer, je voulais vous montrer donc les die cuts Stamperia assortis au papier, donc House of Roses. C'est très 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 chouette ces nouveaux die cuts qu'ils font, assortis aux collections. Je vous avais déjà montré le Little Boy et Little Girl. J'ai pris le Forest aussi, que je vous montrerai dans un prochain haul, et regardez celui-ci. Pour réaliser notre album, comme ça va être joli, le titre, les portes, les barrières, le vélo, la très belle horloge évidemment. On va trouver aussi l'oiseau et des fleurs. Donc je pense en utiliser quelques-uns pour décorer cet album. Un très joli papillon, très très sympa, c'est Dice Cut. Donc, j'en utiliserai quelques-uns, bien sûr, dans l'album. Alors, en France, je ne sais pas trop où vous pouvez les trouver, mais je pense que vous êtes déjà habitué que vous avez déjà vos magasins pour acheter vos papiers Stamperia. Donc, je ne peux pas vous dire du tout. Voilà, donc, je vais ranger tout ça. Et puis, nous démarrons avec la première page. Toutes mes pages intérieures de l'album vont mesurer 15 sur 22. Mais celle-ci va être un petit peu plus grande. La page va pouvoir mesurer 17 sur 22,5. Et donc, dans mon bloc 20-20, je vais prendre cette image. Alors, pourquoi je la mets ici? Parce que j'ai besoin de plus de largeur. Et là, je n'en aurai pas assez avec 15. Donc, je prends cette image et donc ici nous avons 17. Je vais mettre l'album de côté et vous voyez, j'ai préparé deux aiguilles pour venir poser au centre de cette très belle horloge. Donc, ces aiguilles que vous allez trouver dans ma boutique. J'essaie d'utiliser des choses qu'il y a dedans pour que vous n'ayez pas à chercher pour trouver les choses qu'il vous faut. Donc déjà, je vais enlever une bande ici à ras de la rose pour ajuster ma page. Et puis, je vais prendre ici 17. Donc, je retourne et il me faut 17. Donc, je vais arriver à ras de mon horloge.
et j'obtiens donc ceci. Et puis nous allons détourer. Je vais détourer à partir d'ici, au-dessus de cette rose. Nous allons détourer avec les ciseaux, donc de ici à ici, tout le tour, alors du mieux possible, hein, comme vous le souhaitez. Et puis nous allons ajouter tout de suite nos aiguilles. Donc j'obtiens ceci. Pour vous, c'est peut-être un petit peu différent selon comment vous avez détouré, mais je suis sûre que c'est très bien. Et puis nous allons placer les aiguilles ici. Donc j'ai pris la plus grande et puis la taille juste en dessous. Et puis également un brat. Et pour la centrer, alors soit vous faites à vue d'œil, soit eh bien là j'ai 6, je mets un point à 3. Et je fais la même chose dans l'autre sens. Et donc, bien sûr, vous avez compris, je vais avoir le milieu. Et puis donc, je vais percer avec un outil pointu, donc avec votre cutter aussi, c'est possible. Et nous allons placer les aiguilles que nous allons venir fixer avec le brat. Donc, je prends d'abord la plus petite, la plus grande, et puis je vais rentrer tout ça dans mon image. Je retourne à l'arrière et tout simplement j'écarte le brats pour que ça tienne bien. J'ai du mal à trouver les deux petits bouts, ça y est. Donc vous appuyez bien pour fixer tout ça et nos aiguilles sont attachées et tournent, c'est super. Donc vous serrez bien pour que ça bouge le moins possible quand même. Et puis vous allez prendre un morceau de cardstock blanc et nous allons venir coller notre image dessus. Alors pourquoi je mets un cardstock blanc? Déjà ça va cacher mes bras à l'arrière pour que ça n'accroche pas quand on va glisser quelque chose. Mais surtout, je vais renforcer ici cette partie. Donc, je vais coller sur mon cardstock. Et puis, nous allons, une fois collé, détourer à nouveau ici le haut. Donc, voici ce que j'ai maintenant. Donc, c'est beaucoup plus épais parce qu'en fait, je vais glisser des choses à l'arrière et je ne voudrais pas que cette partie s'abîme. Donc évidemment ici vous enlevez le cardstock blanc à rang. Et puis toujours dans mon papier 20-20, je vais trouver ceci, c'est l'arrière du bloc. Et donc je vais me servir de cette feuille pour faire le fond. Donc pour faire ressortir mon horloge, j'ai choisi un fond plus foncé. Donc déjà nous allons couper ce papier à 17 comme cette image. Gardez votre petit morceau ici dans vos chutes et puis je vais appliquer de l'adhésif. Donc je vais retourner et je vais réaliser un cadre et mettre trois bandes au milieu pour pouvoir ajouter ceci dans mon album. Donc vous faites bien votre cadre et nous allons tout de suite ensemble venir l'ajouter comme ceci. Voilà comment j'ai posé donc mon adhésif. Vous marquez bien évidemment vous le marquez bien et puis pour le coller bien droit, donc vous voyez je vais le coller en haut, j'ai la ligne de repère ici. C'était ce papier, donc il va venir, mon morceau se placer comme ceci, sur la ligne du haut, juste à ras. Un léger fin ici, un léger fin bord sur le côté. Et donc nous allons avoir ici de ce côté un petit peu plus. En bas, il n'y a rien, mais nous allons venir ajouter ceci ensuite. Donc pour bien coller droit, en fait, je n'enlève qu'un côté pour l'instant. Donc, ce côté-ci.
Mais je garde, je n'enlève pas tout, je laisse juste un petit bout comme ceci. Pourquoi ? Ça va m'aider vraiment à être bien droite. Et puis, aux endroits où je n'ai pas mis d'adhésif, eh bien, je vais juste placer un petit peu de colle. Comme ceci. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et donc, je vais venir coller mon coin d'abord. Je colle comme ceci, regardez. Je me positionne bien à l'endroit où je veux être et j'appuie. Une fois que je suis vraiment bien droite, eh bien, je peux relever, tirer le tout, donc déjà poser ce côté, et puis enlever tout le reste de ma protection adhésive. Alors attention, ici vous tirez tout doucement pour bien tout enlever. Donc j'enlève tout, je vais le faire avec vous. J'ai du mal à attraper le bout. Et donc à chaque fois que vous collez un morceau comme ceci dans votre album, eh bien vous utilisez cette technique parce que vous serez sûr de ne pas rater, de ne pas être de travers. Alors pourquoi je fais comme ça? Eh bien parce que ça m'est arrivé évidemment d'être de travers et pour rattraper, alors là, une fois collé, ça n'est pas évident. Donc maintenant, vous laissez glisser votre main et vous posez tout ceci. Et puis pour le bord, eh bien, nous allons mettre un morceau d'adhésif, mais juste ici, comme ceci, pour pouvoir glisser des choses et puis venir. Donc vous voyez ici, vous avez aussi la marque du cardstock. Et vous allez donc dans l'alignement venir poser votre morceau, donc ici sur la marque, vous voyez, bien droit sur votre autre morceau. Et nous aurons donc notre pochette. Vous ne voyez pas bien mon adhésif, mais il est bien ici. Donc vous enlevez d'abord juste la bande protectrice de ce côté, vous laissez l'autre côté pour pouvoir vous positionner. Donc attention, bien sûr, le repère ici du bas. Et une fois que vous êtes au bon endroit, eh bien, vous pouvez appuyer de ce côté. Et puis, vous soulevez. Et comme tout à l'heure, eh bien, vous enlevez le reste et vous posez. Nous avons notre très grande pochette. Alors là, pour les fonds de photo, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. En général, je fais des fonds de photo de 10,5 sur 15,5. Comme ça, je n'ai plus qu'à coller la photo sans y retoucher. Donc, vous pouvez glisser des fonds de photo comme ceci. Alors, blanc, regardez. Vert, ça peut être très sympa aussi. Rose pâle. À vous de voir ce que vous préférez y mettre. Je vous montrerai quelques exemples de fonds de photo que l'on peut faire au cours de ce tutoriel. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pris mes petits die cuts. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien laisser comme ça, c'est très joli. Si vous l'avez, il y a des petits papillons. Vous voyez, ça peut être très sympa aussi ici sur le haut. Ou alors, ceci, House of Rose, que l'on peut ajouter ici. Et moi, j'ai très envie de mettre ça. Ça va être un petit peu le thème et titre de cet album. Donc, je vais le placer comme ceci en haut. Et puis, nous démarrons notre seconde page. Pour cette page, il va tout d'abord nous falloir une base sur laquelle travailler de 15 sur 22. Donc, je vais prendre dans mon bloc 30-30 dans ce papier. Alors, je vais le tourner. Je vais prendre par ici, en fait. Donc, je vais le retourner et venir le couper. Je peux mettre mon album de côté. Je vais le couper à 15. Donc, vous voyez, les fleurs sont ici
de ce côté et je vais prendre ce morceau. Donc 15 et puis je vais vous couper dans toute la hauteur et puis je le tourne comme ceci et je l'ajuste à 22. Je vais avoir ma page de base sur laquelle travailler qui viendra quand j'aurai terminé se placer comme ceci dans mon album. Et je vais également prendre dans cette page où nous trouvons les images rectangulaires, je vais prendre ces trois images. Donc je vais les détourer, alors pas avec les ciseaux. Hein. Pour détourer, je fais toujours avec ceci pour avoir une coupe, toujours une coupe bien nette. Donc vous détourez morceau par morceau vos trois images. J'ai mes trois images et maintenant nous allons avoir besoin de trois morceaux de cardstock qui mesurent 16 sur 9,5. Et puis sur chacun d'entre eux, dans ce sens, nous allons faire ici un pli de 1,5. Donc vous faites ceci sur les trois cardstock. On marque notre pli. Et puis ici sur cette languette, donc je vais poser comme ceci, nous allons venir y mettre un morceau d'adhésif. Attention, surtout sans mettre sur la pliure, il ne doit pas y en avoir pour que ce soit bien amovible. Et ici, faites attention de ne pas dépasser. J'utilise mon bloc acrylique pour couper, comme ça c'est bien net et ça ne dépasse pas. Donc je vais faire ça sur mes trois cardstock et puis sur chacun de ces cardstock, ici sur le devant, vous allez venir coller votre image en laissant un joli tour tout autour. Nous allons maintenant attacher nos trois images. Je vais d'abord sur ce côté marquer un point à 2,7. Donc ici, ça va être le repère de ma ligne, je ne dois pas dépasser pour centrer bien mon image. Donc je vais d'abord coller la dernière qui va être celle-ci. Donc évidemment on enlève la partie protectrice, je ramène à l'arrière et puis vous voyez ici je vais venir poser mon image ici au niveau de ce trait. Faire attention ici à la marque que j'ai faite pour me servir de repère. Et puis, en veillant à être bien droit, tout simplement, j'attache. Voilà ma première image. Ensuite, pour le reste, c'est facile. On enlève l'adhésif. Et puis, on va venir se poser comme ceci, vous voyez, ça appuyer sur la première bande, vous attachez et on termine par la dernière de la même manière. Vous posez bien ici contre le haut de l'image, vous fixez et voici ce que nous allons obtenir. Nous allons maintenant avoir besoin de trois petites bandelettes. Alors, je les ai prises dans le papier, la chute qu'il me restait du papier de fond. Ces trois petites bandelettes font 1,2 sur 9 et vont venir s'ajouter ici, pour des raisons purement esthétiques, sur les ici sur le cardstock rose. Et donc, cette page va pouvoir contenir trois petites photos et puis une grande dernière ici. Donc, nous ajoutons nos bandes et puis nous allons préparer trois morceaux de cardstock. Donc, vous voyez, je pose ma bande bien au milieu, pas du tout sur les pliures.
en la centrant ici sur les côtés par rapport à ma carte, tout simplement. Donc, vous ajoutez vos trois bandes. Les deux morceaux de cardstock qui vont nous servir ici pour faire des pages sur les côtés. Il va y en avoir un qui mesure 18 sur 14,7 cm. J'ai marqué un G pour me repérer, savoir que c'est la gauche. Donc, sur la longueur des 14,7, vous allez faire un premier pli à 12,5 sur ce côté. Je l'ai déjà fait, donc je ne refais pas. Et puis, le second à 12,7. Donc, vous marquez vos deux plis et vous allez avoir un rebord ici de 2 mm. Je fais le rebord, c'est pour l'épaisseur, que ma page ne remonte pas. Donc, ce morceau va venir se placer de ce côté. Le second morceau, lui, va mesurer 18 sur 12,9. Et ça va être le morceau de droite. J'ai écrit à l'envers, c'est pas grave. Le morceau de droite, donc, dans celui-ci, vous allez faire un pli à 10,5. Ici. Et un second, donc, à 10,9 cm. Vous marquez vos plis et cette fois, vous allez avoir un rebord de... Je n'ai pas marqué mon pli de ce côté, donc je le fais avec vous. Et vous allez avoir un rebord de 4 mm. Et il se placera donc ici. Il va nous falloir aussi préparer une découpe de dies. Donc je l'ai déjà faite. Il va vous falloir pour cette découpe un morceau de cardstock de 5 sur 18. Dans ce morceau de cardstock, donc, je vais utiliser ce dies, le Regal Border and Pocket. Je vais utiliser cette découpe-ci et je vais avoir besoin donc du dies principal, mais aussi de celui-ci qui va venir couper le haut. Pout, pout, pout. Donc, sur ma bande de 5 sur 18, vous allez placer le dies donc, en le centrant ici sur le haut et ajouter ceci pour que ça découpe le haut. Vous posez un morceau de scotch et vous passez dans la machine. Vous allez obtenir donc ceci. Et cette bandelette, nous allons prendre notre page de droite, l'ouvrir. Poser de la colle ici sur le dessus de la bandelette et tout simplement venir la fixer comme ceci, l'attacher à notre flip. Donc la colle ici sur le dessus et vous posez sur le côté de ce morceau de cardstock. Je vais tout de suite les attacher. Donc je vais placer donc, mon morceau de gauche. Vous voyez, on ne doit plus voir les cartes en dessous. Donc, je le place. Il est là où je souhaite qu'il soit. Je retourne, je pose de la colle. Attention, pas sur à l'endroit de la pliure parce que nous avons notre rebord ici. Donc, je pose bien. Oups. Et je replie tout simplement sur l'arrière de ma page. Mon premier morceau est attaché et donc vous posez le second quand il est bien au bon endroit. Pareil, vous retournez, vous mettez votre colle et vous appliquez. Nos flips sont prêts. Nous allons les décorer ensuite, mais je vais également en ajouter deux ici. Pour les deux morceaux de cardstock qui vont donc correspondre à l'un au bas de notre page et l'autre en haut, comme ceci, il va nous falloir, déjà, pour le plus grand, un morceau de 20 sur 12,5. Et j'ai indiqué un B parce que ça va être le bas. Dans ce morceau, vous allez le prendre dans ce sens. Et puis, faire un premier pli à 18 cm. Et le second à 17,4. J'ai triché, j'ai déjà fait. Vous marquez bien vos plis, surtout avec un... Avec cet outil, vous appuyez bien fort et vous allez avoir donc un rebord de 6 mm. C'est le bon.
Le second morceau va faire 15,3 sur 12,5. Et cette fois, c'est le morceau du haut. J'ai mis mon repère. On prend dans ce sens un premier pli à 13,3 et le second à 12,5. Pareil, vous marquez bien. Et cette fois, nous allons avoir un rebord de 8 mm. Nous allons attacher nos deux morceaux sur notre page. Alors, vous voyez du blanc ici, c'est tout simplement parce que c'est déjà fait. C'est déjà fait, mais j'ai eu un problème. Parfois, j'oublie d'appuyer sur le démarrage de la vidéo. C'est très embêtant. Alors, je peux vous dire que je peste, mais alors, vous n'imaginez pas. Vous allez positionner votre morceau du bas, celui-ci, à l'endroit où il doit se trouver. Mais avant, vous allez ramener juste la languette. Vous allez replier. C'est-à-dire que le premier pli ici est vers vous. Et puis, vous allez positionner donc votre morceau comme ceci, bien à ras de la découpe. Une fois que vous êtes bien au bon endroit, vous retournez, vous appliquez la colle et vous fixez. Une fois fixé, il suffira de remonter votre cardstock jusqu'à temps d'avoir ici le bord plat. Et vous faites donc exactement la même chose sur l'autre côté. Je replie donc ma languette, mon rebord est vers moi. Je positionne exactement à l'endroit où ça doit être. On retourne et on fixe. Une fois que vos languettes sont fixées, vous voyez, vous pouvez faire le cadre avec un ruban adhésif. Donc, je fais d'abord mon cadre, trois languettes. Je le pose maintenant pour pouvoir l'ajouter plus tard sur ma page d'album avant de continuer à décorer. Donc, une fois vos deux morceaux attachés, vous allez prendre un morceau de cardstock qui mesure, lui, 12,5 sur 6,5. Et puis, nous allons prendre dans le Hornate Borders and Pockets ces deux morceaux. Il s'agit de ce dice, donc le dice principal, et puis la découpe du haut. Vous allez le centrer et le placer bien à l'endroit où il faut, vous voyez, comme ceci, donc bien droit et centré. Vous ajoutez donc le second dice. Vous attachez avec un morceau de scotch et on passe ça dans la machine et nous allons l'ajouter sur nos deux cardstocks précédents. Une fois que vous avez votre découpe, alors évidemment, je vais enlever l'excédent. Donc ici, je coupe bien droit. Pareil de l'autre côté. Et puis, avec vous voyez, il me reste un petit peu de morceaux qui ne sont pas partis. Je prends une simple aiguille. Et je gratte un petit peu sur mon die. Je peux appuyer aussi si besoin. Vous voyez ici, j'ai beaucoup de petits points qui ont eu du mal à partir. Donc, je fais ça. Et j'enlève tout très, très facilement. Maintenant, nous allons attacher notre découpe. Donc, le dessus est vers moi. Je vais poser de la colle sur la languette et venir fixer ceci ici, à l'arrière de mon rabat du haut. Donc, vous posez bien tout ça bien droit. Et maintenant, avant de continuer, nous allons poser nos aimants. Pour les aimants, donc j'en ai deux sortes. Ils font tous les deux 1 mm d'épaisseur. Il y en a un qui mesure 1 cm et l'autre 1,5 cm. Vous les trouvez dans ma boutique par l'eau de 10. Les deux iront très bien. Je vais, moi, comme j'en ai des grands, prendre le plus grand. Et donc, nous allons ouvrir notre rabat, poser de la colle là, juste en dessous de la languette que l'on vient de fixer, et attacher donc notre premier aimant. Vous laissez bien sécher. Donc, vous centrez, hein, à peu près par rapport au bord.
et tout simplement vous poser. Pour attacher le second, alors je vais vous montrer une nouvelle technique que j'aime beaucoup. Alors ça bouge parce que je n'ai pas fixé vu que je l'ai déjà fait en dessous. Alors vous avez deux possibilités, soit vous posez de la colle sur votre aimant que vous venez de poser, vous refermez sur l'autre cardstock et vous appuyez, vous aurez une marque de colle. Et à l'endroit de cette marque, eh bien, vous reprenez donc la face où vous avez posé votre colle et vous le collez à l'endroit de la marque. C'est une possibilité. La seconde possibilité, vous allez prendre un morceau d'adhésif, pas trop grand, juste assez long pour couvrir l'aimant. Et cette technique-là est imparable pour coller un aimant bien droit. La face où nous avons la protection, vous la retournez sur l'aimant. Et puis, vous prenez votre second aimant. Il est ici. Je n'ai qu'un petit sous la main, donc je vais faire avec un petit, mais je changerai après. Je le pose donc sur la partie adhésif. J'essaie d'enlever mes doigts du mieux possible. Et puis, je vais refermer sur mon autre rabat. Vous appuyez bien à l'endroit de l'aimant et de l'adhésif. Et regardez. Mon second aimant s'est posé exactement à l'endroit où je voulais. Je laisse la protection pour l'instant. Je l'enlèverai avant d'ajouter mon morceau de papier décoré. Et là, super, tout va bien se magnétiser droit, regardez. Impeccable. Donc, cette technique, retenez-la parce que franchement, c'est celle qui me convient le mieux pour être sûre de bien poser mes aimants. Donc, j'ai pas mal détaillé là. Maintenant, quand je vais poser d'autres aimants au cours du tuto de l'album, je détaillerai moins puisque je vous l'ai montré là. Voilà, maintenant, nous allons pouvoir continuer à décorer nos pages. Nous allons décorer le dessus des rabats, donc ici et là. Et vous allez trouver ce très joli motif dans vos chutes. C'était ici l'arrière de la couverture. Il fait exactement 12,5. Je vais le prendre comme ceci et couper un premier morceau à 12,5. Ne vous trompez pas. Je fais toujours très attention quand je coupe dans ce beau papier. Et puis, donc vous appliquez de la colle et nous allons positionner ce morceau ici sur le dessus de notre rabat. Ensuite, ce morceau fait 17,5 à peu près. Non, j'ai un petit peu plus, donc nous allons recouper. Il doit faire 17,5. Donc vous ajustez, vous voyez, j'ai juste un tout petit bout de trop. Vous l'enlevez et cette fois, vous allez, avec la colle, poser cette image ici. J'ai donc posé ma colle et pour fixer, je vais retourner le tout et venir me positionner bien à l'endroit où je dois être. Et une fois que vous êtes bien où il faut, eh bien, vous pouvez, avec votre outil, bien poser votre papier. Voici ce que nous avons. C'est très très joli. J'adore cette colle parce que aussi avec l'embout, elle a un flux, un tout petit flux et j'en utilise très peu en fait. Elle est un petit peu chère cette colle, mais le fait d'avoir l'embout et d'en utiliser peu à chaque fois, eh bien, j'en ai vraiment pour un moment. Donc, vous allez maintenant retourner dans l'autre sens, enlever la protection ici, nous n'en avons plus besoin, et puis venir coller de la même manière
l'autre partie. Je vais ouvrir et maintenant nous allons recouvrir le dessus de ces deux rabats. Et pour cela, je vais utiliser cette feuille de papier. Nous allons d'abord la couper, donc vous la mettez dans ce sens, et nous allons la couper ici à 18. Nous allons arriver juste à ras du bec de l'oiseau. Je vais couper un petit peu le toit de la maison, mais ce n'est pas très grave. Donc, 18, vous positionnez et puis on coupe. Et nous gardons cette très belle image. Ensuite, je me remets comme ceci. Je vais prendre un morceau ici pour ce rabat-ci. Donc, il me faut... Je vais vérifier, être sûr de ne pas me tromper, vérifier toujours si vous avez un doute avant de couper. Donc 12 et demi, je prends un morceau par ici de 12 et demi pour ce côté. Donc, et puis je vais prendre par ici maintenant, donc je vais retourner, je vais prendre 10 et demi pour mon autre rabat. Et je range ceci dans mes chutes. Maintenant que nous avons nos deux morceaux, eh bien nous allons les ajouter comme ceci. Celui-ci par ici. Donc vous appliquez votre colle et vous le positionnez bien. On ne doit plus voir de blanc. Et puis l'autre va venir se positionner comme ceci. Non, je le mets à l'envers. Vous voyez, je fais des bêtises. Comme ceci. Et regardez... Le dessus de notre page va être comme ça. Je vais maintenant ouvrir et venir décorer ce rabat du haut. Dans cette chute de papier, je vais prendre cette partie-ci, mais les roses. Donc, nous allons couper un morceau de 12 cm. 12 et demi, attention, 12 et demi. Donc, comme ceci, et puis il fait également 12 et demi dans l'autre sens, c'est un carré, donc je vais enlever juste un millimètre en fait. Voilà, et puis ce papier, vous appliquez votre colle et vous allez le positionner donc ici sur le haut du rabat pour la partie du bas. Vous allez trouver dans le bloc 2020 cette très belle image. Nous allons prendre un morceau par ici. Donc je retourne et je vais couper à 12 et demi mon morceau. Voici ce que j'obtiens. Je vais avec mes ciseaux venir détourer tout le bas. Donc vous détourez du mieux que vous pouvez en suivant les lignes, garder le bel oiseau et finir sur les fleurs. Donc on détourne et puis nous allons coller le bas. Voici donc ce que ça donne pour moi. Donc ça n'a pas besoin d'être exactement pareil. Le tout est que ce soit harmonieux. Vous allez prendre un cardstock blanc qui fait 12,5 de large et puis venir coller votre image dessus et la détourer de nouveau. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour solidifier le papier parce que ça va nous servir de pochette et il ne faut pas que ce soit fragile. Donc déjà nous allons faire ceci sur le haut de le reste qui de papier, donc le haut vous le coupez à ras et puis on le garde pour l'instant. Et dans cette chute de papier, celle qui correspond à notre image du haut, vous allez venir couper ici la bande à ce niveau-là. Juste une bande. Donc, bien là où il faut. Et puis, cette bande, vous allez l'ajuster à 12,5. Et nous allons la coller sur... le haut de notre rabat. Donc vous posez la colle à l'arrière et vous l'ajoutez donc ici sur le haut.
Mon image est maintenant beaucoup plus renforcée. Je vais coller d'abord ce morceau. Donc, on applique bien la colle à l'arrière. Donc, vous voyez, je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est suffisant. Et nous allons coller cette image ici. Donc, un tout petit peu au-dessus de l'autre, comme ceci. Et une fois que votre morceau est bien posé, vous pouvez appuyer et passer votre outil. Il nous reste à ajouter ceci sur le bord, vous voyez. Donc, je vais avoir une pochette. Et pour coller ceci, je ne vais pas utiliser l'adhésif, mais je vais faire un fin bord de colle sur le côté pour garder le plus d'espace possible pour la pochette, pour y glisser des choses. Et donc, vous posez tout simplement ceci sur le bas de votre rabat. Comme ceci. Et après, libre à vous de glisser ce que vous voulez dedans, des fonds de photo blancs, tout ce que vous voulez. Donc, il nous reste maintenant à recouvrir ces deux parties. Pour l'intérieur de ces deux rabats, comme c'est déjà pas mal décoré sur les autres rabats, je vais prendre un fond plutôt neutre, donc ce papier qui fait ressortir le vert ici des images. Et donc c'est cette page 30-30. Pour ne pas me tromper dans la coupe, je vais couper en retournant mon papier et je vais par ici venir couper une bande à 11,5. Non, pardon, pardon. 12,5. 12,5. Donc, déjà, une bande comme ceci. Et je peux conserver mes jolies roses. Et ensuite, donc, je vais couper un morceau à 18. Pour ce côté, donc, vous pouvez déjà coller ce morceau-ci. Et puis pour l'autre rabat, je vais de nouveau prendre dans ce papier, mais je vais couper par ici pour garder les grandes fleurs. Donc je le tourne et je prends un morceau de 10,5 de ce côté. Et ensuite je l'ajuste à 18 également. Il n'y a pas beaucoup en plus, juste 1 ou 2 mm. Et puis, je vais l'ajouter comme ceci. Et comme ceci pour faire ressortir. Et sur ces deux rabats, nous pourrons tout simplement venir ajouter des photos. Attention, attention, vous avez dû sentir une hésitation au moment où j'ai retourné ce papier. Et c'est le cas parce que ici je vais bien mettre du vert, mais ici je vais garder ces belles fleurs. Ce serait dommage de gâcher cette belle image, mais ici je mets quand même du vert pour faire ressortir et que ce ne soit pas trop beige en fait. Donc c'est bon, cette fois vous pouvez coller. Et puis ce sera terminé pour ce tuto. Nous allons juste ajouter cette page dans notre album. Avant d'ajouter dans la page, je vais réaliser un petit peu de déco. Je vais protéger ici l'arrière de ma découpe. Et puis, vous avez vu dans mes rubans de strass, j'ai coupé une fine bande de strass rose. Je vais la coller ici, pas sur le papier, mais sur la découpe, vous voyez, ici, comme ceci. Et puis, j'ajouterai sur le milieu de cette découpe une petite perle rose. Ensuite, sur l'intérieur, je vais faire la même chose ici, sur ce dies. Je vais mettre une bande de strass également, ainsi qu'un strass, ce n'est pas celui-là, mais un strass un petit peu plus gros,
ici au centre. Et puis après, si vous avez les die cuts, il y a plusieurs petits oiseaux dedans, un papillon. Alors, vous pouvez très bien ajouter un papillon ou un oiseau qui se pose, je ne sais pas trop où. Ici, par exemple, vous voyez, on peut ajouter si on le souhaite. Pour l'instant, je ne le fais pas, je pose juste mes strass et ça me va très très bien. Il est temps d'ajouter notre page dans l'album. Donc, vous allez, comme je fais à l'habitude, décoller juste un petit morceau. Et puis, vous allez vous centrer bien où il faut. Vous repérez par rapport aux quatre coins. Il va y avoir un joli tour tout autour, de ce côté également. Donc, vous vous positionnez bien. Une fois que vous êtes positionné, vous appuyez ici. Vous levez doucement et puis vous allez enlever les bandes, toutes les bandes. Surtout en faisant attention ici, vous allez tout doucement quand vous tirez pour enlever le reste. Et puis, vous posez tout pour bien poser une fois attaché. Vous ouvrez et vous posez votre main bien partout. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que ces pages vous plaisent et vont vous donner envie de le réaliser. Pour les fonds de photo, vous faites ce que vous voulez. Je vous montrerai dans les prochains tutos de certains exemples. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Je suis bien contente du résultat. J'espère que vous aimez vous aussi. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Évidemment, c'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, je réponds. La majorité du temps, j'essaye. Il n'y a pas de problème. Par contre, évidemment, il y a le décalage horaire. Donc, quand c'est le matin pour vous en Europe, moi, je dors. Mais je réponds. Donc, quand c'est l'après-midi pour vous, je regarde et ne manque pas de vous répondre. Je vous fais de gros, gros bisous. Vous souhaite de très belles réalisations d'album House of Rose. Et je vous retrouve très, très vite pour la suite.